Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas que l'amour fraternel, la communion fraternelle, c'est extraordinaire et c'est sacré. Kobo sanate te bolingo yalisanga pe bomoko yalibota yango ezali boulé. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez tous vos frères et sœurs ici? Est-ce que vous connaissez leur nom? Adresse?
leur occupation, ce qui veut dire que la communion fraternelle est faible. L'amour fraternel est faible. Saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit que la foi chrétienne est basée sur l'amour, sur l'unité et sur l'esprit de pardon. Nous sommes dans la nouvelle alliance scellée par le sang de Fils unique de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, dont les nations interprètent Jésus-Christ. Le véritable nom est Yehoshua HaMashiach. Alors, nous devons savoir, c'est une alliance dont Dieu est notre Père. Dieu nous a choisis. Il nous a appelés hors du monde. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il nous a introduits dans l'église qui est le corps mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a marqué d'un sceau d'appartenance, le Saint-Esprit, dont nous appartenons à Dieu. Retenez bien que c'est une alliance qui est basée sur la vie éternelle, une alliance de paix, une alliance de joie, une alliance de bénédiction au-delà de toute mesure, une alliance de haute protection divine, une alliance d'appartenance à Dieu et une alliance pour servir Dieu. Pour le moment, nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons être conduits par le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit et vivre par la foi. Et sur la terre, Dieu a établi les saints sacerdoces royaux dans le ministère de la parole et de prière. Dieu a établi des messagers et des messagères. Il a établi le ministre, c'est-à-dire apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangélistes. Il a établi les évêques, les anciens, le diacre, diaconèse. Nous voyons actuellement le chantre. En bref, tous ceux qui exercent une fonction sacrée. Retenez bien que le grand message, Dieu s'est réconcilié avec l'humanité et la descendance d'Adam et Ève. Et nous tous, je parle des chrétiens nés de nouveau, nous avons un ministère en commun, le ministère de la réconciliation. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est pour cela que j'insiste, le chrétien doit être unificateur, pacificateur, réconciliateur, bâtisseur. Et Dieu nous a donné seulement une seule loi
royale, la loi de la liberté avec deux commandements. Aimer Dieu de toutes ses pensées, de toute son âme, de tout son cœur, sa force. Ça veut dire quoi? L'amour de l'homme envers Dieu consiste à garder ses commandements. Donc il faut la soumission, l'obéissance, la fidélité, le service. L'amour, c'est la loi de la dépendance. Il n'y a pas d'amour sans restriction. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, il n'y a pas d'amour sans restriction. Et là où il y a l'amour, il y a des règles dont nous appartenons à Dieu. Et c'est ça le mystère. Et le deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Là, c'est simple, c'est seulement la pratique du bien, mais le bien sans condition, gratuit. Sans pour autant s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Et s'aimer soi-même, c'est seulement éviter de faire des choses qui peuvent compromettre votre foi et votre vie. C'est dans le code éthique et moral, être droit, juste, intègre, honnête, fidèle, avoir une bonne vie émerge. En fait, une bonne moralité. Et honneur avec mérite. C'est procurer des choses matérielles qui répondent à votre cœur, mais en ordre. Vous savez, la grâce de Dieu se manifeste, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est que Dieu lui-même a fait. Et si vous connaissez cela, vous allez marcher sur toutes les forces des ténèbres. Je donne la conclusion. Christ a payé le prix dans sa totalité. Et si le principe de la justice divine, sur le principe de droit, nul ne peut être poursuivi, jugé et condamné par une peine consommée. Maître Jean, n'est-ce pas, c'est correct? Si Christ a payé, ça a été consommé, le diable n'a pas droit de nous poursuivre. Tout est accompli sur la croix. C'est cet aspect-là que le fidèle doit comprendre. Deuxième aspect de la grâce, c'est-à-dire le Saint-Esprit maintenant, comme Dieu, il accorde le charisme. Ça peut être le don du ministère, ça peut être le don spirituel pour son service. C'est une grâce. Je n'ai pas demandé à Dieu le pouvoir divin et l'autorité divine que j'ai. C'est une grâce. Est-ce que vous avez compris? Et c'est pour cela qu'il faut grandir dans cette grâce. Dieu peut vous donner le don de gouverner, le don de présider, de secourir. Et je crois que si vous regardez dans la Bible, il y a divers dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pour donner la solution au peuple de Dieu. Mais le troisième aspect de la grâce, c'est négliger. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, retenez bien que nous vivons en conflit. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre
chair et charnel, corruptible, mortel. Donc il faut la discipline. D'abord, la Bible déclare que l'esprit s'oppose à la chair. Il y a un conflit intérieur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais ce conflit, c'est votre part de responsabilité. Dieu vous a réveillé. C'est sa part de responsabilité. Mais prendre votre bain, ce n'est pas la part de responsabilité de Dieu. Donc, il faut connaître quelle est votre part de responsabilité et la part de responsabilité de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons la nature charnel d'Adam avec ses exigences et nous avons la nature spirituelle de dernier ou second Adam qui est Christ. C'est pour cela il faut une vie de consécration. La Bible dit la grâce de Dieu nous enseigne, il faut suivre cet enseignement, à renoncer. C'est l'acte de volonté. Amen. Amen. J'aimerais que le pasteur Jean-Marie donne ce verset, prenne le livre de Tite. Parce que quand on parle sur la grâce, maintenant il y a une confusion. J'aimerais... Chapitre 2, verset 13. Oui. On peut commencer 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. C'est un acte de volonté. Oui, continuez. Et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et prenez Romains chapitre 6, verset 1. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Continue. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions en quoi? Totalement. En nouveauté de vie. Vous savez, oui. Il y a une loi divine. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonneur. Amen. Amen. Attention avec notre conduite. Parce que ce que nous sèmons, nous allons récolter. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens sur la terre. Ils ne sont pas bénis. À cause de leur conduite. Et le Saint-Esprit ne peut pas vous forcer. Le Saint-Esprit vous aide. Quand vous avez la volonté, alors là, la Bible dit, vous devez chaque jour porter votre croix. Renoncer à vous-même. Quand vous avez renoncé au diable, au monde, aux œuvres de la chair, nous devons crucifier la chair avec tous ses passions et désirs. Il faut faire les rapports de valeurs. Est-ce que me suivez très bien? Et tout est vanité, rien que vanité, c'est la poursuite devant. Et la Bible déclare qu'elle sera un homme de gagner tout le monde sur le Père, son âme. C'est pour cela qu'on reconnaît le véritable serviteur quand il vous pousse à la vie éternelle. Est-ce que je me souviens très bien? Cherchez premièrement le royaume et sa justice.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons parler du royaume de Dieu. Et Dieu connaît qu'il y a des besoins sociaux, il va pourvoir. La Bible dit, votre Père céleste sait. Quand bien même nous avons notre part de responsabilité de travail, j'insiste sur la vie éternelle. La Bible dit nous devons nous dépouiller des vieux hommes et revêtir l'homme nouveau. Et la Bible déclare celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a un verset fort. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ennemi de Dieu. Et en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Et nous devons savoir que nous avons un ennemi invisible. Ni tête le Saint-Esprit, on ne peut pas le maîtriser. Faites très très attention. Donc, veillez sur votre conduite, sur votre marche. Ne donnez pas l'accès au diable. Et surtout, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne s'oppose pas au Saint-Esprit. Ne tente pas le Saint-Esprit. Et n'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors, pour l'homme intérieur, tel que nous sommes là, il y a un schéma de la foi pour entrer dans une autre dimension. C'est une vie de consécration. Ça, c'est un. De l'abandon total. Deuxième chose, une vie de prière. Alors, une véritable prière. Donc, la prière, la communion avec Dieu. Troisième point, une vie de jeûne. Et quatrième point, il faut mettre au service des autres la grâce que vous avez reçue. Je vis en esprit et je reçois un message de Dieu. Et là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé ouvertement. Suivez, retenez bien ceci. Nous allons vivre deux effets dans la communauté armée de l'Éternel et j'insiste, dans l'armée de l'Éternel ainsi quartier général. La première chose, la plupart des gens qui viendront prier ici, ils seront appelés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révèle en songe, il donne le message, va. Il y aura l'opération des saints anges de Dieu qui apparaissent et les envoyer ici. Je vais faire l'expérience. Qui est venu ici, on ne l'a pas appelé, mais le Saint-Esprit l'a envoyé. S'il veut se tenir debout, mettez-vous debout seulement. Vous voyez ces gens? Ce sont ces gens-là qui vont demeurer parce que Dieu les a envoyés. Viens vous asseoir. Acclamons pour la gloire de Dieu. Donc, c'est la campagne que Dieu est en train de faire. Deuxième chose, Dieu m'a confié la charge de m'investir dans le chef de la génération montante des serviteurs. Et vous verrez ces serviteurs venir de partout. Et Dieu va les affecter. Et ce sont des hommes qui vont, et des femmes qui vont recevoir une onction tout à fait particulière. C'est pour ça que vous voyez toujours, je suis calme parce qu'il faut suivre ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et le Seigneur va envoyer l'équipe des artistes, des personnes que Dieu lui dit, va là-bas, tu vas commencer à chanter pour moi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Comme c'est le Saint-Esprit qui va commencer à classer les gens, la plupart des personnes qui sont restées charnelles, ils vont perdre leur place. Voilà. Parce que moi, je ne saurais pas aller à l'encontre du Saint-Esprit. Et ça, ce sont des personnes que Dieu lui-même envoie. Et c'est alors que vous allez vivre une nouvelle dimension de bénédiction. Parce que après 30 ans de notre assemblée locale, j'ai dit, et 38 ans de ministère, je reprends encore le cycle de travail sur le terrain. Mais cette fois-ci, c'est fort parce que c'est avec une autre expérience. Donc, j'ai 6 conférences par an. 4 pour le ministre, une conférence pour les femmes et une conférence pour le frère. Et j'ai 3 grandes croisades, minimum de personnes, en tout cas je dis c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et c'est dans mes heures de repos que je vais faire aussi un calendrier pour l'armée de l'éternel Kinshasa. Et d'abord, Dieu nous a tout donné. Il reste seulement la préparation de l'équipe, parce qu'on ne peut pas travailler sans une équipe. L'équipe internationale, c'est OK, mais il faut que c'est l'équipe nationale. Alors j'aimerais que Dieu t'utilise puissamment. Vous allez voir que Dieu va bénir des partenaires financiers. Des gens ne demandent pas. Et le Saint-Esprit lui dit, va faire ça. Et c'est comme ça les choses vont marcher. Amen. Amen. Mettez-vous à écouter Dieu. Et Dieu va vous bénir. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai un message court. Un schéma. Je vais vous transmettre le message. Je vais prier avec vous. Et je vais prier pour tous ceux qui ont des cas. Et nous allons faire le service de bénédiction. Comme l'esprit, on dit, des prophètes est soumis aux prophètes, j'aimerais tout faire dans une heure. Est-ce que quelqu'un est disposé à écouter la parole de Dieu? Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner un conseil. Travaillez votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous disons que Dieu a choisi Noé. Mais nous oublions le profil de Noé. La Bible dit que Noé était un homme droit, juste, intègre. Favorisez le Saint-Esprit de vous sélectionner par votre passion. La soif de Dieu, la fin de la parole de Dieu, de servir Dieu, favoriser le Saint-Esprit. Qui a dit amen? Donne-moi la main du quartier général. Amen. Et c'est le temps que Dieu suscite un nouveau vent. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet riche en révélations. Une série des actes de foi pour entrer en communion avec le Saint-Esprit. Dans tout ce qui touche à la foi, je dis en la foi en Dieu, à la conduite morale des hommes et à l'éternité, la Bible est la seule source de connaissance, la source principale. Là, mon expérience le confirme.
On ne peut pas non plus établir une doctrine en se basant sur sa propre expérience, même si cette expérience a été décisive pour sa propre vie. La sainte doctrine est basée sur le pensée exprimé par la parole, les actes de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les écrits. Est-ce que me suivez très bien? C'est pour cela que le pasteur Jean-Marie va lire le premier verset. Et j'aimerais vous poser une question. Qui réellement est passé par la nouvelle naissance? Naître d'eau et d'esprit. Est-ce qu'avez-vous vraiment accepté Jésus-Christ comme votre unique sauveur et Seigneur? Avez-vous reçu le baptême au nom de Jésus-Christ? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Et j'aimerais que vous puissiez vraiment croire aux Saintes Écritures. De Timothée chapitre 3 verset 16. De Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, oui, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous avez compris? Bonsoir. Donc il faut croire aux Écritures. De Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. De Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Et moi j'aimerais ajouter, des hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. Alors prenons Jean chapitre 10, le verset 35, paragraphe B. Jean chapitre 10, verset 37, paragraphe B. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Voilà, l'écriture ne peut être anéantie. Et la Bible déclare ceci: la parole de Dieu est esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Esprit et vie. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est éternelle. 1 Pierre chapitre 1 verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voilà. Amen. Donc présentez-moi votre Bible, même si c'est dans votre téléphone. Merci. Est-ce que vraiment vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Parce que Dieu est la parole. Regardez les effets de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir
arrosé, fécondé la terre et fait germer le plant, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Je conseille les serviteurs de Dieu. Nous exerçons le ministère de la parole et de prière. Je ne prends que mon exemple et ceux qui vivent avec moi le savent. J'ai dit que moi je lis la Bible 7 fois comme lecture chaque année et ça fait aujourd'hui 25 ans. D'ailleurs, si vous entrez dans mon bureau, vous me verrez seulement lire la Bible. Et j'ai transféré cela au pasteur Jean-Marie. Et pas pasteur Jean-Marie. Quand j'ai déjà donné le verset, une fois, je ne reviens plus. Et dès que j'ai dit, il doit se retrouver. Est-ce que je me souviens très bien? Quand j'ai déjà donné le verset ici, si je reviens encore, je ne donne plus la référence. Bien-aimé, notre vie, c'est la parole de Dieu. Lisez la Bible d'abord comme lecture. Lisez la Bible. Amen. Nous exerçons le ministère de la parole et de prière. Cette parole, ça va te donner la réussite, le succès en tout et pour tout. Alors, dans la Bible et la foi chrétienne, il y a des actes de foi pour avoir une orientation, pour avoir la précision. Le plus grand problème dans la vie de l'homme, c'est de connaître le futur, d'avoir la précision pour ne pas commettre des erreurs. Je vous ai toujours prêché. Vous pouvez être sincère. Amen. Amen. Mais si vous êtes dans la mauvaise direction, vous n'allez pas arriver à la destination. Le plus grand problème dans la vie, la Bible dit que ta volonté soit faite. Connaître la volonté de Dieu est une autre chose. Et faire la volonté de Dieu est une autre chose. Avoir des précisions sur ce qu'on est en train de faire. Le détail possible. C'est pour avoir des précisions. Alors, pour avoir ça, il y a des actes de foi pour entrer en communion avec le Saint-Esprit afin de recevoir la réponse divine dans l'immédiat. Le niveau que vous pouvez chercher dans votre vie, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous parle réellement. Et là, il faut une vie de consécration totale et d'abandon de soi dans la prière. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques actes. Le premier acte de foi, c'est le jeûne et prière sincère. Je vais y revenir. Un bon chrétien ne peut que jeûner une fois par semaine. Cet acte de foi nous permet de s'approcher de Dieu et que l'impossible devient possible dans notre vie. Est-ce que je me souviens très bien? Et il y a une certaine catégorie des esprits dont vous devez résister, ne peuvent fuir qu'à cause des jeûnes et
prière. Si tu vois tout semble ne pas marcher dans votre vie, les jeûnes c'est le jour agréable devant Dieu. Et là je crois que je veux vous donner cet enseignement. Comment rendre un culte personnel à Dieu et surtout le vrai jeûne. Et si je parle de jeûne, eux, prière. Mais le message d'aujourd'hui sur le deuxième acte. Acte de foi. C'est consulter l'Éternel. Ou consulter Dieu. La consultation. Savoir ce qu'il faut faire avant de passer en action. Recevoir les instructions de Dieu. Amen. Amen. J'ai sélectionné 4 exemples. Je vais clôturer par la prière. L'ombre prêche une réalité cachée. Prenons l'Ancien Testament. Prenons Exode chapitre 18, le verset 15. Vous allez voir que c'est une pratique biblique de le temps de la vie. Exode chapitre 18, verset 15. Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Et je me souviens très bien. Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Je dois avoir des précisions sur ma vie. Pourquoi nous avons des problèmes? Dans tous les domaines de la vie, nous n'avons pas associé Dieu ni le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ou parfois nous associons Dieu. Mais la chose ne répond pas, la volonté de Dieu ne répond pas à nos attentes, nous rejetons cela. Nous allons compromettre notre foi. Et nous allons vivre de difficulté en difficulté. Donc, connaître la volonté de Dieu est une autre chose. Et faire la volonté de Dieu est une autre chose. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, le plus grand problème dans la vie, c'est de connaître la volonté de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut consulter Dieu. Et réellement, Dieu parle. Amen. Amen. Deuxième acte, c'est ce que je vais faire. Donc, on voit le peuple venait consulter Dieu, recevoir de précisions de fait. Deuxième exemple. Saül a consulté l'Éternel par le prophète Samuel. 1 Samuel 2, à partir du verset 3 à 9. Saül a tout la kinzambe nanzira mosakoli Samuel. 2 Samuel. 1 Samuel chapitre 9 verset 3 à 9. Samuel na yambo mokapona libwa nzera misato kino libwa. 1 Samuel chapitre 9 verset 3 à 9. Les années de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Touf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici. » Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons?
Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, consultez Dieu. Troisième exemple. Le roi de Syrie a consulté Élisée pour le cas de sa maladie. Deux rois, chapitre 8, versets 7 à 10. Deux rois, chapitre 8, versets 7 à 10. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et l'on l'avertit en disant, « L'homme de Dieu est arrivé ici. » Le roi dit à Hazaël, « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge des 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, « Guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » Ah, tu comprends? Et quatrième exemple, Rebecca consultant l'Éternel pour sa grossesse. Genèse chapitre 25, verset 22, tu peux... Rebecca, tu peux commencer un peu plus haut pour comprendre. Genèse chapitre 25, verset 22. On peut commencer par verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Leurs enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez constaté? Si c'est toi, tu es grosse, et les enfants se heurtent, où est-ce que tu iras? Échographie. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que là, il s'agit de problèmes d'échographie? Amen. C'est le problème de la destinée. Donc, j'aimerais vous dire une chose. Il faut savoir consulter Dieu si vous voulez réussir dans votre... Commencez par vous-même. Amen. Amen. Dieu parle. Dieu peut vous parler par une voix audible. Si réellement il est bien consulté. Dieu peut vous parler par une voix intérieure. Dieu peut vous parler par des songes. Par des rêves. Par des signes, par les apparitions des anges. Dieu peut vous parler par prophétie. Est-ce que je me souviens très bien? Dieu peut vous parler par son serviteur. Dieu peut vous parler au travers des circonstances. Dieu. Dieu parle, le Saint-Esprit parle. Dieu parle par la parole. Amen. Amen. Donc, si tu ne veux pas commettre d'erreur, si tu veux avoir une bonne orientation, il faut consulter Dieu. Sinon, vous allez vivre toute votre vie dans la souffrance morale, même physique, même matérielle, même spirituelle. Je vous donne deux exemples et je m'arrête là. On va prier. Parce qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Et tu peux entrer dans la volonté permissive et souffrir toute votre vie. Lisez la vie de Moïse.
Il a fait 120 ans sur la terre dans la volonté parfaite, 40 ans seulement. Le reste c'est permissif. Regardez Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? Vous allez voir que dans l'héritage des croyants, c'est lui qui a introduit la polygamie. C'est Sarah. Ce n'était pas Abraham. La polygamie, c'est l'héritage de Sarah. C'est lui qui a pris sa servante. Il a présenté Abraham. Abraham n'a jamais convoité cette femme. Mais regardez quand Dieu viendra éprouver Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham avait combien d'enfants à l'époque? Deux. Mais comment Dieu peut parler avec précision ton fils unique, celui que tu aimes? Et Dieu ajoute encore, c'est par lui qu'il y aura la postérité que je veux bénir. Et l'autre là, c'était une volonté permissive. Est-ce que vous me suivez très bien? Et il continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne sais pas consulter Dieu, tu vas souffrir comme Jacob. On présente à Jacob la tunique trempée dans le sang. Regarde, si c'est la tunique de ton fils, directement il interprète: Joseph a été tué, déchiré par une bête sauvage. Il n'a même pas fléchi les genoux. Il n'a même pas demandé à Dieu. Et la Bible dit son esprit est mort. Et il est resté comme ça. Mais quand on viendra lui dire que Joseph vit, maintenant il va consulter Dieu. Tu vois, il avait compris l'erreur qu'il avait commise. Et quand il va consulter Dieu, Dieu lui dit: Jacob, va. C'est pour cela qu'il est allé. Mais il y a des gens ici qui ne consulte pas Dieu pour avoir la précision. Alléluia. Qui ne consulte pas. Je vous donne ces exemples. Ça peut vous perturber toute votre vie. C'est un handicap à vie. Et sortir parfois, ce n'est pas facile. Alors, retenez bien les conseils que je vous donne. Le principe ou la règle: on ne se présentera pas main vide devant l'Éternel. Donc, chacun consulte Dieu selon la dimension de sa foi et de sa richesse. Nous avons vu les rois là-bas. Les rois ont amené, son serviteur a amené combien de chameaux? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'était la dimension du roi. Revenez un peu sur Roi chapitre 8, verset 7 à 10. Qu'est-ce qu'il a apporté? Donc, chacun consulte Dieu selon sa foi et sa richesse. Il faut une offrande de consultation qui répond à votre foi. Selon votre rang et vos moyens. De Rois chapitre 8 verset 9, Azaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qui avait des meilleurs à Damas. D'abord, hein? La charge des 40 chameaux. La charge des 40 chameaux, parce que ça c'était un roi qui agit. Amen. Alors, nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. Et dans le Saint-Sacerdoce royal, le Saint-Esprit a établi des ministres pour exercer le ministère de la parole et de prière. Et aussi dans l'Église, il a doté des dons, c'est-à-dire le charisme de révélation. Mais attention, Dieu a établi la parole de connaissance. Avec la parole de connaissance, tu peux connaître le passé, le présent, le futur.
Dieu a donné la parole de la sagesse. Dans n'importe quelle situation, tu auras le schéma. Dieu a donné le discernement des esprits. Et là, vous pouvez discerner la présence du Saint-Esprit, la présence des esprits impurs, même leur nom et leur façon d'opérer. Et par la prophétie, là, c'est Dieu lui-même qui parle. La prophétie, quelqu'un ne peut pas dire que j'ai reçu une prophétie pour vous. Non, la prophétie dit par Dieu parle directement. Ainsi dit l'Éternel. Donc moi l'Éternel, j'ai dit. C'est ça la prophétie. Mais attention dans ces domaines-là. C'est pour cela vous ne pouvez consulter Dieu qui est dans votre assemblée locale et auprès de ceux-là que Dieu a établi et qui ont cette grâce. Parce qu'actuellement, dans ces domaines-là, il y a de charlatans. Il y a des faux frères. Il y a des fausses sœurs. Il y a des faux ministres. Ce sont des loups ravisseurs. Mais dans la peau de brebis. Il y a mille et un problèmes. Même Dieu lui-même nous dit de faire très attention avec la prophétie. Amen. Amen. Par exemple, vous constaterez actuellement, il y a même des prophètes ambulants. Tu te promènes au cours des routes. Tu vois seulement quelqu'un vient. Quand je t'ai vu, Dieu m'a parlé. Quelle est la crédibilité que tu donnes à ces prophètes? Qui l'a établi? Qui l'a ouint? Qui l'a ordonné? Il exerce dans quelle assemblée? Voilà comment les gens tombent. Voilà les quatre versets que je te donne. On va prier. Dieu existe, les vrais prophètes existent. La révélation existe, il faut consulter, mais il faut être dans le bon. Nzambe azalaka et sakolia solo ezalaka kasi sengil ko tuna nzambe poza na nzela ya malamu. Voilà la réalité dans toutes ces choses. Yangona bosolo. Mais on ne pouvait pas sous-estimer ces choses-là. Les enfants de Dieu doivent consulter Dieu pour avoir des précisions en tout et pour tout. Il doit consulter. Mais dans le bon. Attention, il y a des gens qui se font passer par les prophètes, mais ils sont des médiums, des devins. Ils travaillent avec les esprits des morts et les démons. Il n'y a rien de Dieu. 1 Samuel 28, 7 à 16, la chorale peut s'apprêter. On va terminer. 1 Samuel chapitre 28, verset 1. Verset 7 à 16. 7 à 16. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui évoque les morts. Qui fait quoi? Qui évoque les morts. Allez-y. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter. Prédis-moi quoi? L'avenir en évoquant quoi? Un mort. Voilà. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse.
les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Donc, tu vois, ce qui veut dire que jusqu'à présent, il y a des gens qui consultent les esprits des morts. Et puis, comme ce Makambo, ils allaient vraiment changer en côté. Parce qu'il n'y a que Dieu qui change la destinée. Si le Lozana Batuba Kobe, la Milou Makoufa, a connu ce Makambo, solo Kassia Koko Bongola, en côté, Ponzambebe de Abongola. Ça, c'est un roi, un serviteur de Dieu. Qui va s'incliner trop bas à solliciter les diables. C'est tous ces gens-là que vous appelez les prophètes et les pères. Prenons le deuxième verset. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome chapitre 18, l'orchestre peut monter. 10 à 12. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Qu'on ne trouve pas. Je dis non qu'on ne trouve pas. Même dans le Nouveau Testament, cela s'est fait. Acte chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à sa mère. En faisant quoi? En devinant. Ah, il avait l'esprit de python, un serpent. Aujourd'hui, ils sont pleins dans l'église. Et c'est comme ça, l'esprit des serpents. Et remarquez la prophétie, ce qu'il disait. Regardez. Ces gens-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Il vous dit la voix de la vérité. C'était vrai, non? Mais l'apôtre n'a pas accepté. Qui peut contester ce qui vient de Dieu? Dieu est bon, Dieu t'aime. Amen. Amen. Dieu t'aime. Lisez, pasteur. Il procurait un grand profit à ses maîtres, oui. Vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Elle sortit à leur main. Allez, elle a été délivrée. À Kamolamaki. Mais Paul a eu des problèmes. Paul a eu des problèmes. Est-ce que les gens qui étaient là savaient que c'était un esprit qui parlait? Il recevait ses mains de révélation. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Et je te donne le dernier conseil, on prie. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 20, paragraphe 2. Paragraphe 2. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et je fais ma Bible, Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe chapitre 44, verset 26.
Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Amen. Donc retenez bien que dans votre vie, vous pouvez consulter Dieu, mais auprès des véritables serviteurs. Et soyez patient. Parce que Dieu est souverain, vous ne pouvez pas lui forcer de parler. Simba ete nabomo enoko okutana okoko tuna nzambe ka pa basali o nzambe atie nzambe zala motema molai nzambe azali nkumu. Si Dieu ne parle pas, le serviteur peut prier pour vous parce que Dieu confirme la parole de son serviteur, la prédiction de ses envoyés. Soki nzambe lobite monsali yemo ko koko bondela pona yo po nzambe ko kusaka maloba basali ne pe matatu la batinda bina ye. Et le serviteur de Dieu ayant le fardeau des enfants de Dieu, fléchit vraiment les genoux et prie. Et les anciens, les évêques, ce sont les surveillants qui doivent surveiller que le mal et toutes ces histoires de fausseté n'entrent pas dans la vie des enfants de Dieu. Mais tu vois, il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont répétiteurs spirituels chez vous. Qu'est-ce que nous devons faire? Tu vois, subir des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Tout est bradé. Mais il faut avoir le discernement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Donc veillez sur votre âme. Veillez sur votre âme. Vous devez consulter Dieu, je vous l'ai dit, mais auprès des véritables. Même moi, je suis serviteur de Dieu. Si je trouve que, vous savez, tel que nous sommes là, nous nous connaissons par la grâce que Dieu nous a accordée. Si je trouve que je n'ai pas le temps, je peux te dire que va chez un tel, je te fais une lettre de recommandation parce que je connais son ministère. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries. Je te demande seulement une chose. Parle à Dieu comme le Père. Demande tout ce que tu peux demander. J'aime ce qu'on a l'ingé qui a un mot qui a un oisalité. Il y a Benjamin. Oh, ben, il y a un mot qui est fait. Il y a un mot qui est fait. Inclinons nos têtes. Et toi-même, d'abord, tu peux consulter Dieu. Tu dis, Seigneur, parle-moi, oriente-moi. Mais maintenant, là, l'esprit est là. Je te demande seulement de demander. Qu'est-ce que tu demandes les choses matérielles à Dieu? Prions tous ensemble. Oriente tes enfants. O sukola bomoinanga O zali ekimelonanga O zali esengo nanga O zali ekimelonanga O sukola bomoinanga. Parle à Dieu, présente tes besoins. Kaina komina suka na se ma corona yo Yesu kabo moina kaina kimako apie kaina komina suka na se ma corona yo Yesu kabo. Décharge.
papa nangai.